lendemain matin, nous nous dirigeons vers le Fort-Rouge, vaste citadelle aux hauts remparts de grès rose, occupant presque en entier la partie orientale de la ville. L'aspect extérieur rappelle beaucoup celui de la grande forteresse d'Akbar à Agra. Les murailles, construites en grand appareil, ornées de bandes en relief et de créneaux dentelés, dominent un large fossé que les Anglais ont en partie masqué par des ouvrages de terre. Au centre de chacune des faces du quadrilatère s'élève une belle porte flanquée de tourelles et couronnée de kiosques à dôme de marbre. Une sorte de bastion, percé d'un portail encadré de minarets grêles, protège chacune de ces portes. Ce n'est pas sans émotion que je franchissais le seuil de la noble citadelle des grands Mongols, dont nul ne pouvait s'approcher autrefois sans s'incliner tout d'abord jusqu'à terre. Ce palais fut longtemps la merveille du monde, le réceptacle de l'éblouissante splendeur asiatique. Il faut imaginer une foule de soldats et de courtisans splendidement vêtus. Tout un tumulte de palanquins, de chevaux empanachés, d'éléphants aux palanquins d'or et d'ivoire, de riches équipages d'esclaves portant des parasols de velours. Tel était le coup d'œil qui frappait l'étranger lorsqu'il approchait de la porte du palais impérial, dont les murailles elles-mêmes disparaissaient presque sous les plis des draps brodés et des longs étendards de parade. À peine avait-on pénétré dans l'enceinte que le spectacle devenait féerique. Des palais aux murs de marbre semblables à l'ivoire, encadrant des cours d'allées, égayés par de nombreux bassins et des bosquets d'orangers et d'arbres précieux, laissaient apercevoir à travers leurs arcades dentelées de véritables ruissements d'or, d'argent et de pierres précieuses. Que les temps ont bien changé, et combien le tableau qui frappe à ma vue est différent. Les soldats anglais, coiffés d'un grotesque casque de paille tressé, vêtus d'une sorte de jaquette de marmiton, remplissent le vaste corps de garde et leur voix gutturale ébranle rudement l'ogive des voûtes. Continuant notre visite, nous passons sous la grande porte et nous voilà dans l'intérieur de la citadelle. Hélas, de laides et hideuses casernes obstruent de tous côtés l'horizon. Seul, en face de nous, s'élève modestement un long pavillon dont les arcades festonnées ont été soigneusement maçonnées avec des briques. Ce pauvre pavillon, l'ancien Naubat Khana des empereurs, fait tache sous son déguisement anglais au milieu des casernes. Ne tenant pas à pousser plus loin une si triste exploration, je suis prêt à me retirer lorsque je vois accourir vers nous un soldat qui nous propose de visiter ce qui reste du palais de l'ancien Raja. Nous suivons notre guide et, contournant le Naubat Khana, nous nous trouvons dans une seconde cour à l'extrémité de laquelle s'étend un fort beau palais de style moghol, lui aussi malheureusement défiguré par des cloisons de briques. C'était autrefois le Diwan-i-Am, ou salle des grandes audiences, vaste hall dont la voûte décorée de mosaïques était supportée par de nombreuses colonnes de forme élégante. Aucune de ces splendeurs n'est aujourd'hui visible. Les plafonds ont été soigneusement enduits d'une épaisse couche de chaux, sans doute pour que leurs délicats ornements ne vinssent pas distraire de leurs occupations les employés installés dans les bureaux qui remplissent aujourd'hui cette partie du palais. Sortant du Diwan-i-Am, nous traversons une vaste place bordée encore de bâtiments modernes et nous arrivons au Diwan-i-Khas. Ce pavillon était la merveille du palais. Du dehors, c'est un vaste kiosque de marbre blanc d'une grande simplicité, mais l'intérieur est d'une richesse inouïe. Les piliers, les arches, les cordons de la voûte sont brodés de merveilleuses arabesques dessinées avec des pierres précieuses incrustées dans le marbre. Le soleil, se jouant à travers les arcades sur ces ravissantes mosaïques, semble donner vie à ces légères guirlandes de fleurs, de lapis lazuli, d'onyx, de sardoine et de mille autres pierres fines. Les Anglais, offusqués par tous ces scintillements, avaient d'abord couvert, selon leur usage, ces mosaïques d'une couche de chaux. Mais la réprobation unanime des visiteurs devant cet acte de vandalisme les a décidés à faire disparaître l'enduit. Sur la porte de ce délicieux palais se trouve gravée la célèbre inscription « S'il est un paradis sur terre, c'est ici ». Non loin des appartements se trouvent les bains impériaux, la partie la mieux conservée et la plus intéressante de ce vaste palais. On sait le rôle important que jouent les bains dans la vie orientale. C'est là que le nonchalant asiatique passe les plus agréables moments de sa journée. Aussi n'est-on point étonné du luxe et du raffinement déployés dans toutes les parties des bains impériaux. Rien ne paraît avoir été épargné pour en faire le lieu le plus charmant du palais. On entre dans de petites salles circulaires, recevant la lumière par une étroite ouverture placée dans le centre de la voûte en forme de coupole. Le sol, dallé de marbre blanc, est couvert de fines mosaïques imitant des fleurs jonchées sans ordre. De tous côtés serpentent des conduits en bronze qui amenaient la vapeur et l'eau chauffée à diverses températures. Sortant du palais par la porte principale, nous voyons se dérouler devant nous une magnifique rue droite et large. C'est le Chandni Chowk, c'est-à-dire la rue des Orfèvres. Les boutiques, sortes de niches carrées de dimensions presque uniformes, regorgent d'objets précieux ou curieux. Bijouterie de Delhi, châles du Cachemire, armes du Pendjab ou coffrets ciselés du Shekhawati. Plus loin, ce sont les banquiers qui, sans paraître redouter leur mutuel voisinage, occupent une longue file de boutiques contiguës, mais aussi des orfèvres exposant des bijoux d'un travail aussi fin qu'artistique, des pâtissiers étalant d'appétissants gâteaux qu'ils pétrissent et cuisent devant le public. À l'extrémité méridionale de la plaine de Delhi, et marquant la limite de l'immense champ de ruines, se dresse l'imposante colonne triomphale élevée par le conquérant musulman Qutab-ud-din. Située sur une légère éminence, cette colonne, communément appelée le Qutab, est visible de tous les points de la plaine qu'elle domine superbement. Aussi me tardait-il de mesurer de plus près ce colosse, au pied duquel se pressent quelques-uns des plus beaux monuments de l'Inde et qui, depuis plusieurs jours, attiraient incessamment les regards de mes compagnons. Descendant le revers du ravin, à travers des amoncellements de ruines, nous voici sur le seuil de l'enceinte du Qutab, devant la porte d'Aladin. Franchissant cette magnifique entrée, nous nous trouvons presque subitement au pied du Qutab, qui seul, complètement isolé au centre d'une belle cour d'allée, porte fièrement sa tête à une hauteur de 227 pieds anglais, soit environ 70 mètres. L'architecte lui-même, c'est plus à exagérer l'effet ordinaire de la perspective en donnant à la tour la forme d'un cylindre s'amincissant rapidement vers le sommet en la divisant en 5 étages d'une hauteur d'autant moindre qu'il se trouve plus élevé au-dessus du sol. La base a environ 14 mètres de diamètre et la plateforme du sommet 3 seulement. Chaque étage, recouvert alternativement de cannelures perpendiculaires, est entouré d'une large ceinture de fleurs et d'arabesques et supporte un balcon massif couvert de sculptures d'une grande beauté. L'édifice tout entier est en grès rouge, à l'exception de la partie supérieure revêtue de marbre blanc. Un bel escalier tournant conduit au sommet, d'où l'on domine une vue fort étendue de la plaine se prolongeant au nord jusqu'à la ville moderne de Delhi. Lorsque le général musulman Qutab-ud-din se fut emparé de la capitale de l'empereur Rajput, il voulut, pour commémorer sa victoire, élever au centre même de la cité vaincue une colonne qui fut l'emblème du triomphe de l'islam sur le brahmanisme. Sur son ordre, les fondations de cette tour de victoire furent posées en l'an 1200. Mais cette œuvre gigantesque ne fut achevée que 20 ans plus tard, sous le règne de son successeur. Telle est l'histoire de la tour de Qutab. Mais les hindous en rejettent l'authenticité et prétendent que ce monument fut élevé bien des siècles avant l'apparition des musulmans par un prince Rajput. Pour l'archéologue, toutes ces beautés pâlissent devant le monument qui décore le centre de la cour de la mosquée. Simple colonne de fer, sur laquelle le touriste jette à peine un coup d'œil indifférent, et qui est cependant une des merveilles, non seulement de l'Inde, mais du monde entier. C'est un fût de métal plein, cylindrique, uni, de 40 cm de diamètre, mesurant, du pavé de la cour à l'élégant chapiteau qui le surmonte, une hauteur de 22 pieds, c'est-à-dire un peu plus de 6 mètres. Il n'y a pas là, me direz-vous, lieu de s'extasier. Une colonne de fer forgée de 6 ou 7 mètres, est-ce donc une telle merveille? Vous auriez tort, car ce pilier de fer de Méroli s'enfonce sous le sol d'une profondeur de 7 à 8 mètres, ce qui lui donne une longueur totale de 15 mètres, représentant une seule coulée de 8500 kg de fer. Si je vous dis maintenant que ce gigantesque morceau de fer forgé a été travaillé au IVe siècle de notre ère, c'est-à-dire à une époque où la moitié des nations du monde ignoraient jusqu'à l'extraction de ce métal. Il est presque impossible de s'expliquer quels moyens les Indiens durent employer pour manœuvrer et forger cette barre incandescente alors que les grues et les marteaux pilons étaient encore choses inconnues. Cette colonne, à laquelle la tradition avait conservé le nom de Lat de Dava, porte une courte inscription relatant que le roi Dava, adorateur de Vishnu, érigea ce monument en l'an 317 pour commémorer une victoire militaire. Mais ici encore, l'histoire est en contradiction avec la légende populaire. D'après celle-ci, le roi Anangpal reçut d'un sage brahmane le conseil de faire fabriquer un long clou de fer et de l'enfoncer en terre à une grande profondeur afin de percer la tête du serpent Seshnaka qui supporte le monde et d'assurer ainsi à sa dynastie une éternelle continuité. Le clou fut fait et enfoncé en terre à un endroit désigné par le brahmane. Le sage conseiller, ayant un jour quitté la cour d'Anangpal, celui-ci se vit assailli de 1000 doutes sur l'efficacité de la mesure ordonnée par le brahmane. Il fit donc retirer le clou. Mais quelle ne fut pas la consternation du roi et de tous les assistants lorsqu'on vit apparaître son extrémité teintée de sang. On se hâta de replacer le fer dans le sol, mais cette fois, le serpent était parti, et tous les efforts ne réussirent pas à replacer correctement la colonne. Le brahmane étant revenu à la cour, il s'écria « Ô Raja, de même que rien au monde ne pourra rendre à cette colonne la stabilité qu'elle a perdue par ta coupable curiosité, de même, rien ne pourra écarter de ta dynastie une ruine prochaine. » En effet, peu après, les Chohannes renversèrent l'empire des Thouars de Delhi. La colonne resta branlante, en indien « Dila », et c'est de là que la ville reçut le nom de Dili ou Delhi. Le nom de Delhi brille d'un éclat incomparable dans l'histoire de l'Inde et de l'Asie entière. En lui se concentrent toutes les splendeurs, tous les fastes de ce pays, dont la renommée lointaine suffit à enivrer pendant de longs siècles le monde européen en surexcitant l'ardeur des aventuriers. Après avoir pris possession de la chambre qu'on nous alloue moyennant 1 roupie par jour, je me dirigeais vers la mosquée, la sainte Jama Majid, un des monuments les plus vénérés et les plus admirés par les musulmans de l'Asie centrale. L'édifice, entièrement composé de grès rouge, est placé sur une immense terrasse, au sommet de laquelle conduisent 3 magnifiques perrons pyramidaux, aboutissant chacun à une porte monumentale. De l'autre côté de cette porte, nous nous trouvons dans une belle cour d'allées de marbre, entourée de cloîtres d'une légèreté et d'une élégance rares, et ornée au centre d'un large bassin destiné aux ablutions des fidèles. À l'extrémité de cette cour s'étend la longue façade de la mosquée, une belle rangée d'arcades étroites et basses, encadrant un haut portail en forme de niche ogivale. 3 dômes en marbre blanc avec nervure noire, de proportions beaucoup trop considérables vu le peu de hauteur de la façade, couronne l'édifice que flanquent 2 superbes minarets rayés longitudinalement de blanc et de rose, élevant en l'air, à une hauteur de 40 mètres, une délicate coupole de marbre blanc. Mais ce qu'aucune description ne peut rendre, c'est l'incomparable effet que produisent sous le beau soleil de l'Inde les couleurs si vives et cependant sévères qui revêtent toutes les parties de l'édifice. Le rouge sombre des galeries, les marbres blancs et noirs des façades, la blancheur des dômes couronnés d'étincelants pinacles dorés, les rayures roses des minarets se détachent sur le cadre bleu du ciel sans crudité, avec une harmonie sévère qui montre avec quel soin l'architecte a combiné et marié ces nuances si variées, et avec quel talent il a su proportionner leurs effets selon les parties de l'édifice qu'elles devaient recouvrir. Jadis, aucun Européen ne pouvait pénétrer dans la mosquée, mais depuis 1857, cette interdiction a été levée. Un vieux mollah nous fait les honneurs du temple, puis nous propose de faire l'ascension de l'un des minarets pour jouir de la vue qu'on découvre du sommet. Cette vue compense bien en effet la fatigue que l'on éprouve à gravir les 100 et quelques marches d'un escalier si étroit qu'il permet à peine le passage d'un homme. Assis sous la petite coupole de marbre, je promène mes yeux sur un des plus intéressants panoramas qu'il m'était donné de contempler. À mes pieds s'étend la ville moderne avec ses maisons à terrasses, au milieu desquelles serpentent des rues étroites d'une foule affairée. Une fois redescendu, le mollah, avec un air de grand mystère, veut nous montrer les précieuses reliques qui ont valu à la mosquée son renom de sainteté. Il nous conduit dans un petit réduit dont la porte soigneusement verrouillée ne nous est ouverte par le gardien que contre le paiement d'une roupie. Une fois à l'intérieur, le vieux prêtre ouvre avec solennité une sorte de tabernacle doré et en retire un étui en argent qu'il dévisse lentement en murmurant pieusement le nom d'Allah. Enfin, il nous met sous les yeux un poil long de quelques centimètres, dur et roux comme un crin de porc, monté sur un tube d'argent. La barbe du saint prophète, dit-il en s'inclinant révérencieusement. Ce poil aurait en effet, si l'on en croit la tradition, fait partie de la barbe de Mahomet. Après le poil de la barbe de Mahomet, le prêtre nous exhibe une sandale, une ceinture en poil de chameau et plusieurs portions du vêtement du prophète. La présentation de chacune de ces reliques est accompagnée de forces génuflexions qui inspireraient de curieuses réflexions à celui qui en est l'objet s'il pouvait les voir. Que dirait en effet Mahomet, le farouche iconoclaste, le contempteur des idoles et des reliques, s'il voyait ses fidèles décerner ainsi à d'infimes objets des marques de vénération qui ne sont dues qu'à Dieu? Dans quelques jours, la locomotive allait m'emporter loin de mon cher Rajasthan, auquel me rattachaient tant de souvenirs et tant d'amitiés. Certes, demain l'Inde serait toujours l'Inde, mais une Inde défigurée par la civilisation d'un peuple de marchands, l'Inde avec des hôtels, des gares, des usines. Celui qui n'a pas vécu cette vie de jungle, cette vie de grand air et de liberté, cette communion étroite de l'homme avec la nature encore vierge, avec ses dangers, ses aventures, ses privations, ne peut se faire une idée du serment de cœur qu'éprouve celui qui, après l'avoir tant goûté, lui dit adieu pour toujours. Cet adieu, on ne peut le prononcer sans émotion, sans hésitation. Mais comme chacun de nous ici-bas, le voyageur a des devoirs à remplir. S'il ne pense à parcourir le monde qu'en quête de satisfaction, de plaisir, il fait œuvre d'égoïste. Ses peines sont futiles. Il n'est plus alors qu'un vulgaire aventurier.